bien dans son job avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, bien dans son bureau, ça c'est un sujet important, on l'a vu avec le télétravail, moins de salariés dans les bureaux, des entreprises qui repensent aussi leur surface, et on en parle avec Sylvain Haas. Bonjour Sylvain. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Head of Corporate Service BNP Paribas Real Estate. Quand on lève un peu la tête dans Paris, on voit vos affiches, hein, BNP oui, Paribas Real absolument. Estate. Là, vous êtes certain qu'il y a des bureaux à louer, c'est votre métier. D'abord, un petit mot sur l'avant et l'après-Covid quand même, parce qu'il y avait une activité qui se portait correctement avant le Covid. Et puis c'est vrai que je dirais patatras, après Covid, les gens vont moins au bureau, il y a de l'hybridation et des entreprises qui vous disent écoutez, je ne peux pas continuer à louer ces espaces parce que j'ai un quart de mon effectif. Oui, alors en effet, il y a plusieurs mouvements qui se sont accélérés, qui n'étaient pas absolument nouveaux, mais en tout cas qui se sont accélérés. On a vu par exemple, c'est très clair, un effet surface, le binôme flex office et télétravail est à son œuvre, de l'ordre de 20 à 25%, donc c'est assez rude. En revanche, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une très grosse pression sur l'emploi. Il faut recruter les talents, il faut les garder aussi. Et il y a un besoin de centralité qui est de plus en plus fort. Centralité, dans votre jargon, dans votre langage, c'est l'idée d'approcher le lieu de vie du lieu de travail. C'est l'idée de rapprocher des centres-villes, en fait. Et ce dont je vous parle n'est pas strictement un phénomène parisien. On observe la même chose à Berlin ou à Milan. Les entreprises abandonnent de la surface pour être plus en centre-ville, avec des dessertes en commun beaucoup plus efficaces, avec de la mobilité douce également, parce que ça participe de cette fameuse marque employeur, vous savez, pour recruter ces fameux talents. On va voir le sondage IFOP, avec 3500 salariés interrogés, 7 pays, pour justement s'intéresser à comparer tout cela. Mais quand même, un mot, ça vous oblige à repenser votre modèle chez vous ? Oui, ça nous oblige à repenser notre modèle, puisque les collaborateurs sont moins au bureau, en tout cas pas en même temps. Donc il faut développer des applications digitales pour s'assurer que si je vais au bureau mercredi, qui je vais pouvoir voir dans mon équipe ? Ça nous oblige à donner plus de services aux collaborateurs. En fait, ils viennent moins au bureau, mais il faut que les journées soient à minima efficaces, intéressantes. Il faut que ça soit une expérience. Oui, on l'entend beaucoup sur ce plateau, expérience, lieu de vie, convivialité. On vient au bureau pour construire, créer. Ça veut dire qu'il faut repenser aussi très concrètement, indépendamment du bâti, les espaces à l'intérieur. Ah oui, très clairement, on a repensé les espaces. On en donne un peu moins à l'individu, à la personne, et un peu plus à son équipe, son département, sa tribu, en quelque sorte. Il y a des postes collaboratifs. Il faut que l'expérience soit en effet réussie. Il faut qu'on puisse se câbler facilement. Il faut que je puisse échanger, partager. Parce que sinon, quand j'ai besoin de me concentrer, désormais, c'est ou à la maison ou dans un espace de coworking. Flex office, vous dites, c'est en cours, c'est en mouvement. C'est vrai qu'on en parle depuis quelques temps. On nous dit en même temps que ça ne marche pas si bien, que les salariés sont parfois un peu agacés d'être obligés de se connecter à un poste neutre sur lequel ils n'ont pas pu mettre leurs petits objets, leur petite vie en photo. C'est vrai ou pas vrai ? Non, pas vrai. Pas vrai parce que, alors, il faut l'accompagner, il faut accompagner ce changement. Il y a des habitudes qui sont parfaitement ancrées, mais je dirais que le flex office, c'est on échange son bureau contre plusieurs bureaux. Voilà. Il y a des ratios aussi qui sont en baisse. On mettait 0,8 postes de travail pour des collaborateurs équivalents 0,8 postes. Ça, c'est l'entrée dans le flex office. Aujourd'hui, on est beaucoup plus ambitieux. On va à des ratios de 0,5 ou 0,6, mais ça rentre parfaitement. L'efficacité, elle est démontrée, surtout quand il y a du télétravail. Et encore une fois, quand on a des immeubles qui font passer une très bonne journée. Alors justement, ça c'est intéressant, l'étude que vous avez commandée à l'IFOP, 3500 salariés, oui, 7 pays, avec ce chiffre, il est très intéressant, comparatif avec les Néerlandais, les Britanniques et les Français, sur le bureau plus qu'un lieu de travail, c'est un lieu de vie, on l'évoquait. Alors regardez les chiffres, vous les connaissez, 51% pour les Français, oui, seulement 30% pour les Britanniques, 61% pour les Néerlandais. Donc on est au milieu du peloton. Ça vous donne quelle information là pour transformer finalement la proposition et l'offre commerciale ? Alors, ça nous donne d'abord l'idée que l'Europe est une mosaïque. On sort de deux années où il y a eu des confinements plus ou moins durs. C'est aussi, ce qui sera intéressant, c'est de regarder une version 2 de cette étude dans un an, avec un peu de recul. Il y a des écoles qui ont très peu fermé en France, beaucoup fermé en Allemagne. Il y a eu des confinements beaucoup plus durs en Italie. Et donc, le questionnement se fait après ces deux années. Ce qu'il en ressort quand même, c'est
que globalement, il y a un partage qui veut se faire, il y a un binôme, il y a un couple qui s'installe, maison-travail, ça c'est évident, avec quand même quelques disparités. En gros, on dirait que les Anglais ne sont pas là pour rigoler. Hein. Eux, ils veulent de Wi-Fi qui marche, ils veulent pouvoir se concentrer. Là où les Français ou les Belges et les Néerlandais... sont là pour se marrer, bah, pas un pour peu se plus. Pas pour se marrer, mais en tout cas pour échanger, pour du travail collaboratif. Il y a le coworking, ça c'est aussi un enjeu, parce que j'aimerais savoir comment vous vous situez. C'est vrai que c'est très atomisé. Il y a des très grosses marques de coworking qui sont installées dans les grandes villes, à Paris notamment. Elles sont référencées. Est-ce que chez vous, chez BNP Real Estate, vous dites il faut aussi qu'on puisse proposer nous-mêmes notre propre marque de coworking? Comment vous réfléchissez à cela? Alors, on réfléchit à ça avec, d'abord avec nos clients, les grands utilisateurs, hein, puisque ça fait partie de mes attributions. Ce qu'on regarde aussi, c'est qu'il y a une grande difficulté des utilisateurs à s'engager dans la durée. Hein. Ça aussi, on ne l'avait pas forcément vu venir depuis 2 ans, mais dorénavant... On ne prend pas de risque, on est prudent. Oui, et puis ce n'est plus l'apanage des start-upers. Maintenant, vous avez des entreprises du CAC 40 qui placent 400 ou 500 jeunes gens dans des centres de coworking parce que tout simplement, ils n'ont pas de vision à 2 ans ou à 3 ans. Sur telle équipe projet ou telle initiative. Donc vous nous dites, vous dans votre business, qu'ils ne prennent pas le risque de louer des locaux pour 400 à 500 personnes, ils préfèrent louer, faire du coworking. Oui, ils préfèrent faire du coworking, ça a quelques avantages. Alors ils font la balance hein, entre un bail commercial classique et coworking, mais la flexibilité est quand même un attrait fantastique. Hein. On vient de passer 2 années... L'avantage du coworking, c'est qu'on retire la prise quand on veut. Hein. Exactement, exactement. Et les anglo-saxons, beaucoup de littérature anglo-saxonne est d'accord pour dire qu'à peu près 30% de l'emploi tertiaire à 10 ans sera logé dans des solutions flexibles. C'est considérable. Est-ce que vous êtes en train, vous aussi, de pivoter? C'est-à-dire qu'on voit bien votre business, hein, évidemment, ces locaux de bureaux que vous mettez à disposition à travers des bails commerciaux. Est-ce que vous dites qu'il faut peut-être faire évoluer notre modèle sur 2 choses, le coworking et les grandes villes de province? Parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des transferts de salariés qui étaient partis vivre à Nantes, à Lyon, à Bordeaux, et qu'il fallait aussi leur proposer des choses. Alors, nous, on accompagne les grands clients dans leur stratégie immobilière, donc en intégrant le critère de la flexibilité. Ça devient un critère très, très haut dans la hiérarchie. On pourrait aussi parler du critère de la RSE, qui est devenu également très, très important. Elle vous impacte, ça, c'est les critères RSE sur... En tout cas, elle impacte la vie des immeubles, elle impacte les bailleurs, elle impacte les propriétaires, parce que maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que les utilisateurs, les collaborateurs même, veulent s'assurer que l'immeuble dans lequel ils travaillent est à minima... sérieux sur un plan. Donc il n'y a pas d'amiante, par exemple, tout bêtement. Alors, évidemment qu'il n'y a pas d'amiante, mais s'il peut être en énergie positive, c'est encore mieux. Si, les BBC. Bien sûr, s'il préserve la planète, ça fait partie, là encore, de la marque employeur. On veut être fier de travailler dans telle ou telle maison. Et si, en plus, on travaille dans un siège qui est vertueux, et d'ailleurs qu'on peut aimer à faire visiter également, ça participe au sentiment d'appartenance. Vous en conviendrez, Sylvain Haas, que ce n'est pas simple dans Paris, par exemple, où on sait qu'il y a des passoires énergétiques, qu'il y a des immeubles de bureaux qui sont des immeubles des années 60. Enfin, permettez-moi de penser que ce n'est pas possible de faire avec ça du BBC. Oui. Ça reste compliqué, donc difficile à louer, j'imagine. Ça reste compliqué. Alors, pas dans Paris, parce que dans Paris, malheureusement, il n'y a plus assez d'immeubles à louer. Il y a une pression qui est très importante. Donc, il y a toujours une très forte dynamique des entreprises sur Paris. Toujours une très forte dynamique. Hein. Encore une fois, ce besoin de centralité ne se dément pas. Les loyers augmentent dans Paris. Les entreprises, beaucoup d'utilisateurs sont prêts à mettre beaucoup d'argent sur la table pour louer dans Paris. Et il n'y en a pas pour tout le monde. C'est un peu comme ça que ça se présente. Alors, maintenant, sur le stock de bureaux, vous avez raison, à peu près la moitié du stock de bureaux en Île-de-France, mais c'est vrai dans d'autres pays également, dans d'autres capitales, à plus de 25 ans. Et certains ne retrouveront pas de locataires. Il faudra non pas qu'ils se transforment, mais qu'ils mutent ces immeubles. Qu'ils deviennent du logement ou qu'ils deviennent à usage mixte. Donc ce sont finalement de grandes opportunités qui s'offrent à la filière immobilière. Ou alors il faut reconstruire, excusez-moi, parce que là vous faites de la location en bail commerciaux à des entreprises, à des grandes marques, à des grands groupes. Est-ce que vous dites qu'il faut aussi réfléchir peut-être à détruire des immeubles pour les reconstruire sur des bases saines sur le plan énergétique, par exemple? Et très clairement, et là je prends ma casquette de promoteur, parce que BNP Paribas Real Estate est également un promoteur. C'est pour ça que je pose la question. Il y a des immeubles de bureaux qui ne recevront plus de location. Bureaux et qu'il faudra transformer en logement. Et ce faisant, les transformer de passoires. Donc vous sanctuarisez ces bâtis en disant cela, c'est fini, on ne peut pas. Oui, et là, il y aura toujours une balance entre la RSE, le bilan carbone et le bilan économique. Est-ce qu'on en garde la structure, les façades, ou est-ce qu'on le fait tomber pour le reconstruire? Mais en tout cas,
Moi, je le vois comme une opportunité pour les citoyens des grandes villes. Et de vous à moi, je crois que vous recrutez chez BNP Real Estate. Beaucoup, là, vous avez le pied sur l'accélérateur. Comme tout le monde, c'est la question rituelle, vous galérez ou pas? Oui. Oui, d'accord. Non, donc voilà, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Oui, on a beaucoup de gens partent, beaucoup de gens arrivent. Le marché de l'emploi est devenu très nerveux. C'est quelque chose qu'on avait... On avait vu l'effet surface arriver, l'effet recherche de flexibilité. Très versatile. C'est très versatile. Il faut définitivement recruter les jeunes gens, les garder, c'est aussi un sport. L'immobilier est très contributif à ça, à marque employeur, je vous assure. Venez nous voir à Métal 57 à Boulogne-Billancourt, j'en suis particulièrement fier. On va venir. Parce que c'est une usine que vous avez transformée en espace coworking, bureau, joie de vivre. Oh, écoutez, venez le voir. Il est très collaboratif, il est ouvert sur la ville, il est inclusif, il est... beau à regarder, il est facile, il est digital. Mais les donc, gens y sont heureux. Ça donne envie de quasiment de envoyer le CV chez BNP Real Estate. Je vais m'en occuper rapidement. Merci Sylvain Haas d'être venu nous rendre visite. Merci. C'est à Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt, absolument. Boulogne-Billancourt, votre nouveau siège, qui est dans une usine, hein, on peut le dire. Oui, on est en plein territoire Renault. C'est un immeuble qui est né en 84 du dessin de l'architecte Claude Vasconi et qu'on a fait muter avec un autre architecte de renom, Perrault d'ailleurs, pour en faire un immeuble expérientiel, un immeuble de destination, véritablement. Merci de nous avoir rendu visite. Et on va continuer dans la pause café. Sylvain Haas, vous êtes le Head of Corporate Service de BNP Paribas Real Estate. Merci de nous avoir rendu visite. La pause café, c'est tout de suite. Tiens, on va parler du télétravail. Ça ne se passe pas toujours parfaitement bien. Et on en parle dans la pause café avec Caroline Ricross.